Diankana, un district situé à 14 km de la commune urbaine de Kankan. C'est ici que le général Sékouba Konaté est accueilli par les autorités de Kankan et quelques citoyens. Après les salutations et les présentations, le cortège prend la direction de la ville. D'abord, c'est chez le patriarche qu'il se rend pour saluer la notabilité, puis c'est la maman du colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Ici, nous sommes à Sana, sur la terre de ses ancêtres. Ému, il remercie le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour l'avoir permis de rentrer chez lui. Ensuite, je remercie très sincèrement le président de la République, chef d'État, commandant en chef des forces armées, d'avoir l'esprit patriotique et humain pour penser à moi. Je ne peux que remercier. Cette rentrée triomphale de l'enfant chéri de Sana est appréciée à sa juste valeur par les autorités locales et citoyens. Mouri Konaté, président du district, laisse éclater ses sentiments. Alhamdulillah, ane tanobla alayen. Ba ambare mento ko général Sékouba Konaté akara fabra den jere 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 le. On remercie Dieu pour sa grâce. Notre fils qui s'appelle général Sékouba Konaté aime vraiment la terre de ses ancêtres. Depuis qu'il a pris la tenue, il ne nous a jamais oubliés. Sinon, il n'est pas né ici, il n'a pas grandi ici. Mais depuis que son père lui a dit que c'est chez lui, il ne l'a jamais oublié. Il venait nous rendre visite souvent. On remercie le colonel pour l'avoir autorisé de revenir chez lui. Je remercie Dieu pour ce tact. Je suis trop contente. Et lorsque vous demandez à celui qui est content de parler, il finit par ne rien dire. Je remercie le colonel Mamadi Doumbouya. C'est lui qui a permis à mon frère de retourner chez nous. Ça fait 11 ans qu'il a quitté le pays. On ne l'a plus jamais revu sauf aujourd'hui. Nous prions Dieu qu'il guide les pas du colonel Mamadi Doumbouya, que Dieu réconforte de plus la fraternité entre les Guinéens. Une délégation de la famille du général Sékouba Konaté est aussi venue de Conakry pour la circonstance. Le chef de la délégation, Elaz Karamo Konaté, s'est dit content de retrouver son demi-frère. On est très content. Aujourd'hui, c'est la fête à Sana. Cela fait 11 ans que mon frère a quitté la Guinée. Par la grâce de Dieu et la compréhension du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, il est de retour. Ce sont les sages qui lui ont conseillé de rentrer par Kankan pour commencer sur la terre de ses ancêtres. Nous allons faire des bénédictions pour lui et pour le colonel Mamadi Doumbouya. Le général est très attentif et il écoute beaucoup les sages. Jusque tard la nuit, les sages, citoyens et proches ont déferlé au domicile privé du général Sékouba Konaté pour le saluer et lui souhaiter la bienvenue. Après donc un bref séjour à Kankan, il dit vouloir se rendre à Conakry pour rencontrer le président de la transition dans les prochains jours.